Alors que je trouve une solution, je sais pas comment je vais faire, mais je trouverai un truc. Je referai mes scènes au pire. Pire, c'est que ça marchait sur la scène d'attente, mais pas sur la scène de pause. Faut peut-être que je les pré-shot en fait. Peut-être un délire comme ça. Je sais pas, c'est pas clair. Slash City, Dreadnought brisé. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait, hein. Mais dans l'autre scénar, quoi. Ah, très bien, ça. Ça va s'avérer plus que nécessaire. Il faut un noyau de vapeur. Ouais, adjacent à une rue, ça peut se... peut le résoudre, ce problème. On peut largement le résoudre. Placement invalide. Comment ça? Ah, la route se termine, d'accord. Bah l'objectif c'est les machines à dessin maintenant, hein, mais on n'est pas rendu là-dessus. Hein. 15 de bois, faut que j'aille le chercher. Hein. En bois en fait. C'est tout ce qui reste. C'est la misère. Ah non, mais il va falloir chercher la Syrie à ce moment-là. Bienvenue en Syrie. Oh, je vais aller la foutre. Ah. Déjà. Ces horaires de fonctionnaire, quoi. Moi, de mon temps, on faisait 150 heures par jour et c'était très bien. Quel rapport. Emplacement. Pourquoi emplacement invalide? Ah, il peut peut-être pas être en bout de route. C'est ça que vous êtes en train de me dire, bande de connards. Ouais, mais c'est... Quoi? Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. La décision impopulaire, c'est pas de mon fait, hein. Je vais pas faire la gueule non plus, c'est pas de ma faute, hein. Alors on a un peu de réserve de bouffe, pas à poil, mais... Ils abusent un peu, quand même. Des raclures de bidets. Canard. Ça, faut le mettre en... Ouais. Ah. Explorateur expérimenté est venu nous parler d'une solution. Nous coupons les vivres à la Nouvelle Londres, nous montre que nous ne pouvons pas compter sur elle. Il nous faut une autre source de nourriture. Heureusement, nos éclairants ont signalé les traces de présence humaine récente au sud. Envoyons-les enquêter, ce sera peut-être notre chance. Ah. Une ressource stable. D'accord, ça doit être ça. Ah, on les enverra après, hein, parce que... C'est pour faire une deuxième équipe d'explorateurs, et puis il faudrait que je fasse la recherche, donc c'est mort. Ah, le Nouvel Land, c'est un peu des rats, quand même. Un peu des ratures de bidets, quoi. Quel enfer. Je les déteste. Officiel. En fait, j'ai regardé un peu les bots là, quand j'étais en pause, j'ai noté des blazes. C'est vrai que je les bannisse en fait. C'est que... Vous savez quoi, je vais le faire maintenant. En fait, c'est que des bots. C'est que des bots qui sont reliés à une seule et même chaîne. Chaîne de connards qui font du live on constamment. Je comprends pas le concept, mais... En fait, je vais les... Ban ces... Écoutez-moi bien, les modos, bannez-moi tous ces connards.
Voilà, donc lui par exemple. Je vais le dire à lui. Vandef. Toi tu dégages. Then, t'as des viewer bots. C'est... En fait, c'est bizarre. C'est pas vraiment des viewers. Enfin, c'est. Ils comptent jamais comme des viewers, ils passent juste. Ils ont le même comportement que les, le même, que mon bot en fait, qui est un utilisateur que j'ai en follow. Et qui ne compte pas comme un viewer. Il compte comme une personne dans le chat, mais pas comme un viewer. Parce que oui, effectivement, il. Twitch fait la distinction entre les deux. Et en fait, tous ces bots là sont reliés à une seule et même chaîne. Connard qui font des lives. H24. Je comprends pas le projet. C'est pareil, celui-là, là, je sais pas qui c'est. Là. C'est encore, je suis sûr que c'est encore la même merde. En fait, c'est des comptes. C'est des comptes qui ont été créés il y a genre 3 semaines, tu sais. Qui ont tous en hébergeur. Lui, je suis pas sûr. C'est un vrai. Lui, c'est un vrai, mais je sais pas pourquoi il vient là. Il passe à chaque fois, hein, mais je sais pas qui c'est. Genre Bing Cortana, PTDR, quoi. L'utilisateur Bing Cortana, j'y crois pas une seule seconde, quoi. Donc lui, je vais le dégager. Bannez-moi tous ces connards, les modos. Et voilà, ils ont tous en auto-hébergement une chaîne. Il s'appelle Electric Longboard. Ta gueule, Borat! Ils ont 13 000 followers, mais c'est pas clair. Je comprends pas le projet. Donc, je les banne maintenant. Il y en a, c'est OK tiers, genre Commander Root, c'est un bot connu qui va fetcher des infos sur les chaînes Twitch. Récupérer les listes de followers, les machins, tout comme ça. 13k followers, ouais c'est ça. Et puis comment on peut plus consulter les listes de followers maintenant? Tu peux le faire que quand tu es... T'as que le diffuseur qui peut consulter ses followers. Avant tu pouvais avoir la liste même quand tu... étais simple viewer d'une chaîne. Mais là ça sent vraiment les embrouilles quoi. Ça sent vraiment les trucs tellement craqués. Stop the count! C'est un peu... c'est des électeurs de Donald Trump. Bizarre. C'est les fameux colis postaux de Joe Biden. Des Russes en somme. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais je sais pas, c'est bizarre, c'est des trucs bizarres, je veux même pas en entendre parler, donc maintenant je banne et je me pose plus de questions. En fait, si vous voulez, je vois les gens qui sont dans le chat, parce que dans mon chatbot, j'ai la liste des utilisateurs qui sont connectés au chat. Donc je vois mon bot, par exemple, qui n'est pas comptabilisé comme un viewer, je me vois moi, je ne suis pas non plus comptabilisé comme un viewer, mais parce que mon bot est obligé de se connecter à mon compte également. Et je vois des comptes bizarres, je dégage au fur et à mesure, et c'est tant mieux, je viens de les ban. Donc du coup ça veut dire qu'ils se font déco, c'est tant mieux. Et je vois aussi plein de comptes bizarres qui passent mais qui ne sont pas des viewers, ils sont juste connectés au chat. Et genre, là si je suis les utilisateurs dans le chat, vous êtes 15 quoi. Que non, vous êtes 4. Donc il y a forcément un problème dans la matrice. Et ça me trigger un peu ces gens qui ont des méthodes de fonctionnement assez détestables pour se faire des vues à la con. Je comprends pas le projet de cette chaîne, genre ils... des lives, ils sont 20 personnes. Ils ont 13 000 followers, mais ils sont 20 personnes. Déjà, il y a un problème dans la matrice, quoi. Et 20 personnes, 20 viewers, et ils passent leur journée, je sais pas, il y a 4 webcams dans leur baraque, et ils passent leur journée à faire des trucs. Faire des Skype, je comprends pas le projet. Vraiment pas le concept. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'avez pas envie de cargaison d'acier, mais ça va, on va se calmer, là. Prévu. Nous vous autorisons à mettre en place des rotations étendues, utiliser du judicieux. Oui, bah c'est bien.
C'est super. Non mais c'est bon, je vais vous l'envoyer vos merdes là. Ça me saouler non plus. Genre l'utilisateur Bing Cortana quoi, créé le 12 décembre. Ça si c'est pas une blague, je sais pas ce que c'est. Ah la Siri. Bienvenue aux Siri. On va la faire dans ce coin là hein. Ah je peux la mettre ici. J'ai un peu plus. Ça. Là j'ai plus de wood là. Fini là. That's over. On va le démanteler. Peu de recyclage n'a jamais tué personne. Celle-là elle va faire très très mal. J'ai pas du tout eu le temps du coup de... Bah c'est bon, je vais leur envoyer leur cargaison de merde là. La nouvelle Londres. Ça ils vont peut-être me lâcher un peu la grappe. Comme il y avait une tendance en 2019. Mais peut-être encore, je sais pas, à faire des lives de gens qui dorment. Souvent, il y a des gens qui sub en demandant à Google ou Alexa de donner leur adresse. T'as les gars qui se réveillent en sursaut avec leur adresse qui se décline en live. Ouais, mais c'est un peu le même genre de bail. Hein. C'est un peu le même genre de bail. C'est vraiment débile. Je comprends pas le projet. Encore à l'époque de Justin TV, donc le précurseur de Twitch, c'était juste un mec qui s'était mis une webcam sur le dos et qui envoyait tout ce qu'il faisait. Ça, c'était marrant, quoi. Parce qu'il faisait vraiment des trucs, il allait au zoo, il... Next step, live coloscopie. Un peu ça, ouais. Ah, il y a une vibe, hein, il y aurait un délire. Hein. Ça, c'est des gens intelligents, hein. Ils ont tout compris. Ils ont pris à la life. Sinon, je recherche les radiateurs, hein. Ce serait peut-être pas idiot non plus, hein, parce que... Faire ça. Je vais rechercher les radiateurs, parce que je l'ai toujours pas fait. Et en définitive, c'est con, parce que ça me permettrait de chauffer la scierie et la mine de charbal. Plutôt que d'utiliser un foyer, consomme la blinde. Dans le tractus intestinal du petit Timmy. Waouh, amazing, expérience sociale. Pose bleu. L'enfer. Petit sang de bois, ça, on respire déjà un peu mieux là. On respire déjà un peu plus. La cantoche. La petite cantoche de ses morts. J'ai très très envie de rejouer à Outer Wilds. Hein. La semaine prochaine, il y aura un live, hein, je vous le dis, je pense. Pas encore quand, mais peut-être mardi soir. Pas impossible qu'on se fasse un petit live sur Outer Wilds. Hein. Vraiment trop bien ce jeu. Il va falloir que je vois mon planning avec Zou. Comment qu'on s'organise. Parce que bon, le 31... À quoi ? Bien, c'est quand même un jour important. Ou mercredi soir. Je viserai. Je vous redirai. Je vous ferai un planning de toute façon. Je verrai comment je stack mes trucs. Ah, 500 de charbon là, je suis bien. Hein. Et plus que ça ? Bah oui, mais en même temps, j'ai mis que deux connards là. Ça va pas très vite quoi. Trouver une source de nourriture stable dans l'étendue. Ah putain. Ouais. Ouais, c'est ça fait mal là. Hein. Ah c'est tout. Ah ouais. Ah dingue dingue quoi. Ah non mais celui-là c'est normal. Active en journée. Tout à fait normal. Heureusement que ça dure qu'une journée. Hein. Ça redescend et ça re-remonte après. Ok. On froid. On va peut-être les arrêter eux. Ça ne sert à rien. Il y a la mine de charbon maintenant. Ouais, on est encore en positif. Même en les arrêtant, on est encore en positif grâce à la mine de charbon. Donc ça sert à rien de se prendre trop le chou non plus. Et eux, ils ont juste froid. Hein. C'est pas si dingue. Hein. Pas si pire quoi. Et il faut que je commence à reconstruire des dortoirs absolument. C'est absolument nécessaire. Je
peux faire une... Achoter le truc de ouf en fait. Ah, recherche terminée, radiateur. Radiateur. Mettons que je l'éteigne ça. Ça donne quoi? Ah, c'est limite. Il me faudra les radiateurs améliorés parce que là on ferait ce pâté. Comment ça 61 mal logé? Ah non, il y a deux. On va avoir deux amputés, merde. Ah, attention. Peut-être pu attendre que ça remonte pour faire les dortoirs, quoi. J'ai des cons. Ça y est, premier amputé. Et maintenant. Oui, bonne idée. Ah donc, quand je leur demande d'aller récupérer ma merde, quand j'ai chié à côté du pot, ça les trigger en fait. Atteindra 0. Très bien. Ils sont vénères par contre. Oui, mais de toute façon, faut vous amputer. Y'a pas le choix, les gars. Normalement, c'est cité quoi. Alors, toujours un peu ric-rac niveau bois. Hein. Amélioration des scieries, équipe mixte. Bien aussi les équipes. Ça. Peut-être faire ça. Attendez, je vais peut-être d'abord passer mon dernier bâtiment en dortoir. Dernier lot de tentes là. Ah, les dortoirs ils ont frais là, hein, c'est ouf. Amélioration des scieries, c'est bien. On va faire équipement. Ah, eux ils se. Là, là, je peux pas mettre le radiateur ici. Bon, pas dingue. Shift over. Leave your workplaces in order. La nourriture, ça baisse. Il est trop froid pour travailler. Ils m'ont quand même renvoyé 32 bouffes, c'est bien. Ça va repasser en up. Ça va repasser en moyennement chaud, c'est bien. Charbon, ça donne quoi? Ouais, le charbon, on est tranquille. Pas de stress. C'est quand même ça, mais. Est-ce pas compris dans la source de chaleur ça? Même en fait. Je pense qu'on va le démanteler. Plus à grand chose. C'est bien, reste à la maison. Putain, on va se retaper à moins 40 quoi. Et après on remontera à moins 20, c'est bien. On passe à moins 20 pour repasser à moins 30. Salaud. Peut-être lancer les bras à zéro quand même. Work,
Eux là ça va. Eux avec le radiateur c'est ok. Juste la mine où il fait un peu frisquette quoi. C'est bon. Là aussi. Là, je vois. Zéro devant aussi. Un jour, hein. On l'en. En même temps, je les ai envoyés à l'autre bout du monde. Donc. C'est normal, j'en ai. Évite les équipes mixtes là. Je vais commencer à sortir des noyaux de vapeur parce qu'ils vont faire chier à l'infini. Hein. Honnête. Ah mais ça coûte 52 watts ça, j'ai peut-être été un peu audacieux du coup. C'est pas grave. Peut-être que je leur foute un coup de rotation. Ah mais ils vont crever du coup. À 6h-20h c'est ok. Merdez, non. Et il me faut 75 pour passer au niveau du dessus. Et là le niveau du dessus va s'avérer absolument nécessaire. Reste combien de ressources dans la série? 80. On verra pour la déplacer plus tard. Alors on leur demandera de nous expédier du bois. Putain. Un peu limite. Et il va refaire froid. Quasiment plus de bouffe, c'est un enfer. Là il va y avoir Starvation, je vous le dis. Enfin, j'avais pas fait attention mais c'est une quête. J'espère que je peux même pas passer la soupe. Encore combien de temps? 17h. On va souffrir. Tant que j'arrive à envoyer tant qu'il me renvoie du monde. Enfin, le temps qu'il me renvoie de la bouffe. À moins que je leur demande en urgence de la bouffe. Merde. Du coup, on va tomber à zéro, quoi. Les gens meurent. Tiens. Et là on ne s'amuse plus du tout. Violence du tout. Il y a un peu de charbon mais c'est pas grave, c'est par vague. On a deux jours à tenir comme ça quand même. Peut-être leur mettre un petit... tomber quoi. Hop. En ce sens c'est ok, tiens. Ça va? Putain!
Oui, ta gueule. T'as envoyé ta merde là. C'est bon, on est en train de le chier ton noyau de vapeur. Arrivez. Voilà. Ah, les forceurs de ouf quoi. 32 bouffe, c'est misérable. 11h. Je sais pas si on tiendra d'ici. Il y a des gens qui vont commencer à crever de faim. Je pensais que j'allais tranquille, mais pas du tout. Et la soupe, ils peuvent pas me la passer là? Non, je les aurais bien foutu à la soupe quoi. Mais... C'est bien ça. Hop. Ça. Ouais. Bien. Ah si, usine pour faire des prothèses. Encore d'amputé. Faire le monde charge, ça. Là, il need some bouffe. Pas trop froid. C'est ok. À crever de faim là. Ça va commencer tout doucement à crever de faim. Ah, Hosanna. Ah, la cantoche, il va falloir bourrer. Hein. Springs. 18. On va refaire à peu près 100 antennes de rations. Oui. Pas longtemps. Je suis surpris qu'ils aient pas encore, qu'ils crèvent pas encore la dalle. Vraiment surpris qu'ils crèvent pas encore la dalle. Ça va les tenir un peu. On a fait que 29. Oh là là. Là, ils vont vraiment commencer à crever de faim. Heureusement, il va y avoir un coup de rechaud là. Ouais. On baisse derrière quoi. On va pouvoir leur re-envoyer une cargaison du coup là. C'est bien. C'est très bien ça. Mais c'est que pour l'acier, c'est pas pour les noyaux de vapeur, c'est dommage. Un peu débile en soi, mais c'est pas grave. Seconde équipe d'éclaireurs. Ah, les bûchers, ouais. Bûcher efficace, ça c'est un bon délire.
Ok. Là j'envoie direct. Hein. Ah, mais ça va tellement vite la bouffe aussi. Hein. Ça part tellement vite que c'est honteux quoi. Ouais ça y est, ça commence. Ça commence, il commence déjà à crever de faim. En même temps il cherche la nouvelle Londres. Hein. Oh oui. Oh! Communauté est une enclave de vie s'accrochant à quelques sources chaudes. Les habitants viennent d'une ville qui a réchappé à la grande tempête grâce à une autre ville. À la fin de la tempête, un petit groupe s'en alla en apportant des semences et des semis. Après de nombreux malheurs, ils trouvèrent cet endroit et ils installèrent les serres chauffées et plantèrent les semences pour transmettre le don de la vie. Ils nous ont donné de la nourriture en signe de bonne volonté et veulent commercer davantage si nous les aidons à agrandir leur communauté. Unbelievable. La go back. Hein. Faut que j'établisse une équipe de construction. Ah. Parce que je devrais leur envoyer, mais à mon avis. On joue avec mes nerfs. Sûr. Du Zeradin. Là, on va récupérer un peu de... C'est bien. Continuer comme ça pendant un moment, vite fait, hein. C'est les gars. Oui, on a eu un très gros coup de chaud. Ouais, bah, Nouvelle Londres, elle compte sur nous. En attendant, on peut aller se faire foutre. En termes de. Bon, en fait, qu'ils en ont rien à foutre qu'on crève de faim. Pas évident de leur faire comprendre que. Ils sont désirables. Tout à fait mon cher Jean-Pierre. Ah, ils vont arriver avant les sbires qui reviennent quoi. Ils se croisent, ok. Ils sont lents les explorateurs. Ça devrait pas être le cas, normalement c'est les scouts qui devraient être des nerfs en termes de déplacement. Logique. Pas grave. On ne juge pas. Brûleur efficace. Je pense qu'au niveau charbon, je dois être. Quel time. Bah là, on commence un peu à bottleneck parce que. Quand je fais isolation des cantines, ça m'évitera d'allumer le radiateur, mais pour l'instant, à part rocher ça. Ah, il me faut que 50 d'acier. Enfin, je les ai presque, mais. Ça va retarder ma prochaine livraison quoi. Donc je fous le structure en bois mais. Il faut avoir de la marge sur l'acier. Alors c'est. Demain je leur mettrai un coup de structure en bois. Je sais pas combien ça va me coûter d'établir un poste de commerce avec eux. Et manger là. Ok. Voilà. Relation neutre. Pas de cargaison à envoyer. Donc du coup quoi? Comment ça se danse?
Ah. Nous devrons le rendre à l'appareil d'une façon ou d'une autre. Et nous le ferons selon nos conditions. D'accord. Donc, Donc quoi, ils vont m'envoyer de la bouffe, c'est ça? Je comprends pas. Pas du tout. Attendez, il y a un event là. Ah! Nous sommes impressionnés par la vitesse à laquelle vos équipes ont construit le dépôt de commerce. Nous pouvons maintenant nous entraider. Nous vous envoyons notre surplus de nourriture et nous pouvons vous donner, vous en donner plus si vous nous fournissez les ressources nécessaires à l'agrandissement de notre communauté. Nous serons reconnaissants de nous aider à améliorer nos logements et notre système de santé. Ah, c'est génial, amazing. Non, mais c'est bien. Il m'envoie de la bouffe. Il m'envoie 60 de bouffe, c'est bien ça. Je vais beaucoup m'en manquer d'un coup. Quoi au palier 3? Ah, il y a la maison, c'est bien la maison. Pour les coups de froid, successivement arrivés. Ventilateur amélioré. Faire le palier. Bon, maintenant la nouvelle Londres, on n'a plus rien à foutre parce que ça, c'est cool. Là, on va se récupérer sans de bouffe. On devrait être plutôt tranquille. Le problème, c'est qu'on va avoir des affamés là. On va avoir des crèves à faim. Hein. Population à faim. Oui, mais je sais, mais. À 3 jours pour nourrir tout le monde, je pense que ça devrait passer. Mettre en réserve 53 rations. Faire ça. Je pense que je peux le faire. Déjà, on va recevoir. Ouais, non, mais ça va aller. Ça va aller. Ça s'accumule du coup. Ouais, donc ça va nous faire 200 de rations, ça ira. Je... La population a faim, je sais. Je vous ai compris. Nous vous félicitons d'avoir trouvé une autre communauté et d'avoir établi un premier contact avec leurs représentants. Leur récolte nous fournira une aide très opportune en ce qui concerne notre sécurité alimentaire. Cependant, nous devons vous rappeler que toutes les connexions externes et le réseau de distribution de nourriture doivent être gérées directement. Cessez immédiatement vos contacts. Non. Livrez-nous de la nourriture crue que vous avez reçue. Non, non. C'est honteux. Alors là, clairement, allez vous faire foutre. Aïe, c'est la révolte. Population, on a assez. Chef, le peuple se soulève. Vous m'avez fait honte! Il refuse de suivre les ordres de la nouvelle Londres. La foule scande. Nous ne voulons plus de maître, ça suffit! Une femme mineure brandit sa pioche. Elle crie. Bande d'ordures! Ils nous traitent comme des animaux, exploitent nos enfants, et maintenant ils nous demandent d'abandonner notre seul espoir de survie. Jamais! Le peuple a traîné les employés du centre administratif hors du bâtiment et demandé à les chasser de l'avant-poste. Nous devons, devrions-nous intervenir pour protéger les employés administratifs? On va leur laisser le temps de préparer leur voyage. On n'est pas des bêtes. On va peut-être faire un peu la gueule. Pas des animaux. Pourquoi on a retourné? Quoi ce bruit? Ah, c'était ça.
Bande de traîtres, votre avant-poste est officiellement dissous et vous serez tous jugés pour trahison à votre retour. Vous avez 3 semaines pour nous convaincre que vous avez changé vos méthodes, que vous voulez rester des citoyens loyaux de la nouvelle Londres. Après cela, nous vous ramènerons menottés et que Dieu ait pitié de vos âmes. C'était la nouvelle Londres. Terminé. Bah, salut mon pote. Hein. Salut mon pote. Connard. Schiste de merde. Bah, bien sûr que c'est grâce au capitaine. Chercher de l'aide dans l'étendue. Maintenant que les communications sont coupées, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Même si la population finit par se calmer et douter de la déclaration d'indépendance, nous pouvons seulement nous préparer à affronter l'expédition punitive de la nouvelle que la nouvelle Londres va envoyer. Il va nous falloir bien plus de main-d'œuvre et de ressources. Alors essayons de trouver d'autres personnes dans l'étendue. Il existe peut-être d'autres campements comme Hot Springs. Devrions aussi demander de l'aide à ces derniers. I see. Il va me falloir une deuxième équipe d'explorateurs, ça va commencer à s'avérer nécessaire. C'est quoi la deuxième équipe d'explorateurs? Je vais pas tarder à arrêter en vrai. Là, pas la bourre en vrai. Ah, je peux déjà la faire. Okay. Dès que la planche à dessin est faite. Ouais. Nous n'avons pas mâché les mots et nous avons pris des décisions irréfléchies, mais nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous devrions rechercher d'autres personnes dans l'étendue car nous n'avons aucune chance de vivre seul, de vaincre seul la nouvelle Londres. À part cela, nous attendrons le prochain coup. Aïe. On va mettre les radiateurs online. Hein. Au niveau bouffe, on est bien par contre. Ça, c'est plutôt cool. Normalement, avec les 103, on va pouvoir faire de la ration. Pour faire 200 à peu près ration. À renvoyer les employés administratifs. Cassez-vous, salaud de patron. Quoi? Le cache presque plein. Ah oui, d'accord. Donner à manger aux personnes affamées. Bah, viendez les enfants. Allez manger là, nom de nom. Là, il y a ce qu'il faut en termes de bouffe. Demander de l'aide à Hot Spring. Nous avons besoin d'aide contre la nouvelle Londres. Je regrette d'apprendre que nous étions la raison de votre conflit avec la nouvelle Londres. Si vous nous aidez, nous pourrons peut-être vous soutenir dans votre lutte. Nous vous serions reconnaissants de nous aider à établir un système de santé de base et à construire des dortoirs. Notre main d'œuvre et nos ressources sont trop limitées. Oui, d'accord. Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment nous vous aider Ah oui, d'accord, j'ai compris. Je communique avec... Ah oui, d'accord, logement de base. Bah, ça va, c'est pas... C'est si vénère que ça en fait. Ah, il faut un noyau d'upper quand même. Hein. Bon, c'est plutôt worth. Hop, comme ça. Pas le temps de niaiser. Et là, seconde équipe d'explorateurs, ça va être nécessaire. J'ai encore un peu de monde, oh, c'est bien.
Je vais faire un peu la gueule, mais... On n'a plus besoin de dépasser en rotation étendue. Entre eux, il faut qu'ils puissent servir à manger. Ah. Sommes-nous libres? Maintenant que la nouvelle Londres ne contrôle plus nos affaires, de nombreuses personnes se sentent libres pour la première fois de leur vie. Il est vrai que nous avons perdu leur soutien et leur aide, mais nous avons gagné en indépendance. Nous ne sommes plus à leurs ordres et n'avons pas à demander la permission avant de faire de la soupe. Nous pouvons adopter nos propres lois et décider de quoi faire. Puisque nous ne sommes plus un avant-poste, une pétition circule pour changer le nom du campement. Devons-nous le faire? Ah merde, mais non, mais j'ai pas compris. Au travail, c'est... Ça nous aurait permis de changer de blaze. Faut les manger là, par contre, les gars. C'est bien. J'ai là. Arrêtez là, je pense. Et il nous envoie de la bouffe à l'infini, Hot Springs. Ah oui, c'est parce qu'on les aide. Ça. Allez, go à la cantoche là, allez bouffer là. Saoulé. Mais ils peuvent aller à la cantoche à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bah, je vous repasse en 8h-18h alors. Personnes ayant faim ont été nourries. Pas des personnes ayant faim ont été nourries, l'espoir. Et voilà, niveau bouffe, on est royal. Notre peuple veut construire un poste médical dans notre campement, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Nous avons nos propres méthodes de guérison et on aura des sources, c'est un remède en soi. Nous faisons pas confiance aux ingénieurs et dans leur façon de penser mécanique. Je pense que je peux me permettre d'avoir le même mécontentement qui augmente. Hein. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà bien. C'est la lutte finale. Ça ne passera pas. Bah, ce sera juste c'est la lutte. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Faut que je bouge. Je découle. Hop. Faut que je décolle. Bon bah les jeunes, je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'être passés, d'avoir discuté. Sympathique, ma foi. Le scénario est plutôt cool. Je m'attendais à pire. Il y en a beaucoup qui traitaient en disant que c'était nul, mais en vrai c'est sympa, je trouve. Ça donne des perspectives différentes. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des oubisoubas, des bisous d'Alliante. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et on se retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais pas à quelle date parce que mon planning. C'est ce que je peux streamer. Mais je vais m'organiser, je vous ferai un planning et puis on se retrouve semaine prochaine. Pour du Outer Wilds et puis du Frostpunk, on rejouera peut-être à Control, on verra comment. Enfin, je peux streamer les après-midi aussi parce que. On va m'essayer de garder au moins un soir parce que. J'aime bien, mais. Il y a moyen de streamer l'après-midi comme je suis en vacances. Donc on verra comment je m'organise, mais peut-être que ça pourrait être cool. Enfin voilà, bref, je vous fais des bisous.
Et puis, bonne fête à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, des bisous, ciao.